Festival Luči je združil veliko umetnikov, ki so svojimi prostorskimi inštalacijami in svetlobnimi učinki razsvetlili celo mesto. Obiskovalci si lahko ogledajo velikanske neonske rože ali pa osvetljene fontane, katedrale in druge večje zgradbe. À Lyon, je peux vous assurer qu'en ce moment, c'est très difficile de trouver un lit pour se loger. Et donc, les habitants sont fiers de la fête des Lumières. Et puis, on invite ses amis, on invite sa famille à venir voir la fête des Lumières. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et je pense que tout le monde contribue, même en allant voir la fête des Lumières, surtout dans cette période, quelquefois un peu difficile. C'est des très beaux moments de poésie et d'émotion. V mestu je približno 50 inštalacij, ki so jih ustvarili umetniki iz vse Francije. Med drugimi je izpostavljena kot ena najpomembnejših katedrala svetega Janeza, ki svojo podobo in pripadajočo glasbo prikazuje projekt Združimo se. Par son titre déjà, il parle de ce qu'il veut dire, ça s'appelle Unisson. C'est un projet qui appelle toutes les individualités, chacune avec son unicité, sa différence, à se rassembler parce que tous les talents mis ensemble, toutes les forces mis ensemble, on arrive à construire quelque chose de beaucoup plus grand que soi-même. Obiskovalci so nad svetlobnimi učinki v povezavi z glasbo navdušeni, ter v svetlobi najdejo tudi svojstven pomen. Déjà la lumière, c'est de l'espérance en fait, ça me donne l'envie de vivre. Déjà, c'est super joli. Et puis Lyon, c'est vrai que c'est la ville des lumières en fait, donc j'adore. Voilà, ça donne l'envie de vivre. Že prvi dan je na festival prišlo 10 000 obiskovalcev, v naslednjih dneh jih pričakujejo še več. Umetniške stvaritve pa so zagotovo lahko marsikateremu organizatorju prazničnih festivalov in ognjemetov tudi v navdih, kako lahko brez pretiranega pokanja le svetlobo in glasbo polepša mesto in daje ljudem tisto, kar se v zadnjem mesecu leta pričakuje. Povezovanje z drugimi, lepoto in upanje.